ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit en fait que j'avais énormément envie d'utiliser parce qu'il m'intrigue énormément. À vrai dire, j'en ai jamais utilisé. J'utilise beaucoup de ce genre de produit, mais de comme ça, non, jamais. Donc en fait, il s'agit du masque Unique de la gamme Uology. Regardez, hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est le masque éclat. Donc pourquoi je voulais énormément l'essayer? Parce qu'en fait des masques éclat, vous pouvez en trouver n'importe où. Vous avez les masques en tissu. Vous pouvez vous mettre un masque aussi sous forme de crème qui vous rendra après la peau hyper éclatante. Mais celui-ci, il a une particularité en fait, c'est que c'est un masque peel-off. Donc c'est-à-dire qu'on va le mettre sur la peau. Et après, en fait, ça va former, ça va sécher à peu près au bout d'un quart d'heure. Ils disent au bout d'un quart d'heure, mais c'est toujours à peu près dans ces eaux-là. Et ça va sécher. Et en fait, après, vous allez devoir le retirer comme un peel-off. Donc, c'est pas comme le même masque. Je sais pas si vous connaissez les masques noirs en charbon, où là, où vous arrachez toute la peau, vous arrachez tous les points noirs, vous arrachez tous les poils, tout le duvet, les sourcils, les cils. J'abuse, mais c'est quasiment ça. Là, je pense que ce sera quand même assez beaucoup plus doux. Donc là déjà je vais vous parler en premier lieu, en premier en fait de ce masque, donc ce qu'il nous promet. Tout ça, je me suis fait mon petit pense-bête là. Et ensuite, eh bien, j'irai me démaquiller et je reviendrai ici en fait pour m'appliquer le masque devant vous, pour vous montrer en fait comment faire. Vous avez plusieurs façons de le faire, donc je vous montrerai les deux façons, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, eh bien, je vous laisserai, je couperai en fait la vidéo et je reviendrai un quart d'heure plus tard. Un quart d'heure, 20 minutes, quoi, pour vous montrer comment ça a évolué sur le visage, pour l'enlever devant vous. Donc là, c'est vraiment un test. J'ai même pas encore testé une seule fois pour vous prouver. Il n'est même pas encore ouvert, le truc, le petit tube. Et pour vous parler, en fait, des impressions de après. Donc déjà, bah, la senteur, c'est hyper frais. Ça sent, on dirait un peu les oranges. Les fruits d'été, comme ça sent hyper bon. Ensuite, eh bien, on va parler de ses qualités. Donc, en fait, il est là pour. Il peut, pardon, excusez-moi, améliorer l'élasticité donc de notre peau, l'apparence des pores et tonifier aussi la peau. Donc, c'est un masque peel-off, comme je vous ai dit. Il est formulé à base de nicotinamide. Alors, je ne connais pas du tout. Excusez-moi, je ne suis pas du tout allée chercher, voir ce que c'était. Donc, pendant le laps de temps, quand il séchera, j'irai chercher. Pour vous parler donc de la nicotinamide, parce que moi je connais la niacinamide que j'utilise pour ma peau, on va dire, à problème. En fait, je fais beaucoup de dermite séborréique et dermite donc périorale, en fait, ici. C'est en gros de l'eczéma. Je suis très sujette à l'eczéma. Donc, j'aimerais savoir ce que c'est en fait la nicotinamide par rapport à la niacinamide. Donc, il est formulé aussi à base de réglisse et de prune de kakadu. Ou cacadou, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc, eh bien, ils expliquent que pour l'appliquer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut. Vous avez plusieurs façons. Donc, premièrement, bien évidemment, il faut avoir le visage propre, complètement démaquillé, complètement nettoyé. Donc, ça, c'est une évidence. Ensuite, vous pouvez l'appliquer donc soit au doigt. Donc, je vais essayer d'un côté de vous l'appliquer au doigt, soit au pinceau. Donc, de l'autre côté, je vous l'appliquerai au pinceau. Comme ça, vous verrez, on verra ce qui est le mieux. Ensuite, bah, il faut laisser sécher 10-15 minutes et ensuite on décolle aux extrémités en fait. Bon, je ne sais pas si ça partira d'un coup ou si ça partira en fait en petits lambeaux. Donc on verra ça tout à l'heure. Si c'est chouette, si ça part tout d'un coup, c'est hyper chouette. Si ça part en lambeaux, pardon, bon, bah, ça risque d'être un petit peu plus agaçant. Voilà, en tout cas, oui, je tenais à vous dire que je serai toujours, même si je suis distributrice, pardon, j'arrive toujours pas à dire ce mot, déjà depuis la première vidéo, si, même si je suis distributrice unique, si un produit ne me convient pas, je vous le dirai. Voilà, et c'est pas aussi parce que ça ne me convient pas à moi que ça pourrait ne pas vous convenir à vous. À chacun de se faire et à chacune de se faire ses propres idées. Voilà, moi j'ai ma peau, j'ai mes façons de faire et vous avez les vôtres. Voilà, et en dernier lieu, ils nous disent bien de compléter en fait par votre routine du soir. Voilà, donc ils nous disent bien de faire le masque le soir, c'est mieux. Voilà, moi j'aurais pensé plutôt le matin vu que c'est un masque éclat. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit, en fait il y a mes fils dans la chambre. Quelle andouille. Bon, et ben on se retrouve d'ici peu, je vais me démaquiller, je reviens tout de suite. À tout de suite.
Eh ben, je vous reprends au bout de plus de 20 minutes parce qu'au bout d'un quart d'heure, il n'avait pas encore séché du tout. Donc, je pense que j'en ai mis une trop grosse couche des deux côtés. Il faut vraiment mettre une couche très très fine. Genre là, c'est très fin et là, c'est prêt à partir. Là, j'ai commencé un petit peu à le décoller. Ça se décolle, mais vous voyez, ça colle encore. Donc, je pense que j'ai vraiment fait une couche trop épaisse. Donc, ensuite, par rapport à l'application au doigt ou l'application au pinceau. Ben en fait, j'ai préféré l'application au pinceau parce qu'on salit moins les doigts et c'est mieux mis. Là, en plus, c'est beaucoup plus fin que de ce côté. Le côté des doigts, c'est beaucoup plus épais. Voilà. Donc ensuite, j'ai bûché donc pendant les 20 minutes sur la donc la c'était la nicotinamide. Qui est en fait un dérivé de la niacinamide, c'est exactement la même chose. Donc ça fait partie des vitamines du groupe B, donc la vitamine B3 plus précisément. Donc c'est une vitamine qui est hydrosoluble. Je lis mon petit post-it pour ne rien oublier de vous dire. Donc en fait ça contribue à atténuer les rougeurs et les imperfections. Et moi c'est vrai que c'est une vitamine, j'utilise beaucoup de sérums. Qui en contient en fait de la niacinamide bah, pour lutter contre mes problèmes de peau. Donc c'est top. Donc si ça fait ça aussi, le masque, ce serait top. S'il vous plaît les garçons, je filme. Est-ce qu'on peut arrêter? Ils sont avec moi en fait parce qu'ils adorent ça et ils voulaient participer un peu avec moi à la vidéo. Donc voilà. Allez, c'est parti, les amis. On essaie de l'ôter. Donc là, j'ai préparé des mouchoirs et une poubelle là pour... Pallier à toute éventualité, donc oui, bon, bah ça part, mais c'est pas de ce côté-là, c'est ce qui me semblait, ça allait être un petit peu plus enfin, fastidieux, mais ça part quand même. Hop, vous voyez, si je gratte un peu, par contre, ça part pas en peel-off là. Hein. Je vais essayer en haut, ouais, non, c'est encore un petit peu trop épais. Ah, là, je pense que là, comme c'est l'endroit où... Ah, oui, vous voyez? Ça fait pile-off, je ne sais pas si vous allez entendre, mais on dirait que je m'arrache la peau, vous savez, quand on a eu un coup de soleil. C'est pareil. Voilà, après, vous retrouvez un truc absolument dégoûtant. Je vais le jeter, hein. Je ne vais pas le garder en souvenir. Après, sur mes ongles, ça fait super joli. En fait, c'est doré. Ils disent qu'il y a un petit peu de... Enfin, je sais pas, ils disent, il est doré le masque. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, non, vous ne verrez pas. Là, peut-être. Ça met un peu de doré sur mon ongle. Franchement, ça fait joli. Ça donne un petit effet. Ça fait rire les garçons. Allez, bah, je vais essayer de tout le décoller. Comme ça, on va essayer de ne pas trop perdre du temps. Et puis, je vais vous parler en même temps. Alors, les effets sur ma peau. Donc là, je trouve que ma peau, elle est toute douce, toute lisse. Au niveau de l'éclat, bah, on verra au fur et à mesure. Mais on verra surtout quand j'aurai vraiment tout enlevé. En fait, bah ouais, ça a l'air d'être quand même un peu galère. Je pense qu'il faut vraiment le laisser poser un maximum. Je pense que là, je vais vraiment galérer devant vous. Donc, je vais essayer de l'enlever un peu Ça fait des petits filaments, en fait. Donc, c'est pas top. voilà, bon, écoutez, je pense qu'on va terminer la vidéo comme ça. Vous avez compris le principe. Vous voyez, ça part vraiment en peel-off. C'est assez sympa comme procédé. Bah écoutez, moi je suis plutôt ravie. C'est sympa, ça change des masques en tissu ou des masques qu'on peut mettre hydratant, tout ça. Après quoi dire, en termes de luminosité, pour l'instant, bah, on ne voit pas vraiment. Là, on peut regarder un peu si quand même sur mon front, là où j'ai enlevé, on voit quand même que... Ça a bien atténué tous mes petits pores et pas les petits pores, les petits cochons, les garçons, hein. Les pores de la peau en fait. Je les entends rire à chaque fois que je dis ce mot. Non, si franchement j'aime bien l'effet que ça donne. Simplement, et ben en fait là je vais laisser sécher un petit peu plus parce que ça n'a pas encore assez séché pour pouvoir vraiment le décoller comme j'ai pu le faire là. Et voilà, regardez comme ici là pour que ce soit plus simple pour moi. Et puis bah ben, je vais vous laisser. Avec ma peau qui part lambeaux. Franchement, c'est hyper satisfaisant là. Ah ouais, j'adore. Ah, regardez. Alors là où ça se décolle, ça veut dire que ça a bien séché. Ah, j'adore. Encore une fois, excusez-moi si je ne regarde pas toujours
L'objectif, c'est que, parce qu'en fait, le retour vidéo, c'est vraiment mon téléphone. Donc, et l'objectif, c'est un tout petit truc, un tout petit rond avec un petit truc vert dessus et je ne me le vois pas. Voilà. Désolée. Bon, allez, on essaye encore un petit coup là, sur les côtés. Ouais, il faut vraiment bien, bien laisser sécher. Et puis, tout simplement, mettre une couche beaucoup plus fine. Voilà, bon, ça part à cause de l'ongle, hein, mais c'est dommage parce que ça fait tout crade. Ah là, regardez, ça a bien séché à mon avis, là. Quand j'ai souri, on a vu. Ah, faut juste bien choper l'endroit où ça. Où ça part. Oh, une peau de mamie. Non, c'est pas très gentil. Surtout qu'en plus, c'est la fête des mamies. Donc non, c'est pas une peau de mamie. C'est pas vrai. Je retire ce que j'ai dit. Excusez-moi, les mamies. C'est pas vrai. Ah, c'est trop satisfaisant. Ah, regardez, ça arrache. Bon, ne montrez pas aux enfants, ça peut leur faire peur. Hein. C'est pas ma peau hein, que j'arrache, hein, les enfants. Regardez! Ah, ça vous fait rire, les gars. Ah, franchement, c'est hyper satisfaisant. Ah, ouais. Ah non, je vais pas te passer les bouts de peau. Igno, je vais les jeter à la poubelle. C'est dégoûtant. Bon, voilà. Puis après, je pense qu'il y a un bon petit rinçage. Et puis, vous aurez tout enlevé. Alors, on va regarder un petit peu plus près les endroits où. Non, vous voyez, vraiment, c'est hyper lumineux. Bon, bah, franchement, moi, j'aime bien. Faut prendre le temps, en fait. Faut prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser comme ça en plan. Je vais aller me tout enlever. Et puis, bah, je vous dis bye bye. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!